questions comme ça. C'est pas normal, on t'a posé que deux, sérieux, wesh. Comment tu vas faire pour ton brevet, toi? Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc sur Snapchat j'avais lancé un Ask Snap et vous avez été très nombreux à m'envoyer des snaps. Du coup je vais y répondre dans cette vidéo, donc voilà c'est parti. Est-ce que tu as des projets YouTube? Si oui, des indices et bisous, t'es la meilleure. Et tu pourrais faire aussi une vidéo sur genre l'organisation scolaire ou Merci, t'es trop trop chou. Donc oui, j'ai prévu une vidéo au niveau de l'organisation scolaire. Dites-moi s'il y a des sujets en particulier que vous voulez que je traite. Dites-moi tout ça en commentaire. Et oui, j'ai des projets YouTube, mais voilà. Je donne pas d'indice pour le moment. J'espère que tu vas bien, donc j'avais une question à te poser. À quel âge as-tu commencé les vidéos et est-ce que tu regrettes d'avoir commencé si jeune? Donc voilà, bisous. Je voulais aussi te demander si sur ta chaîne tu comptais faire du nail art, donc des trucs pour les ongles. Au niveau du nail art, absolument pas, parce que je suis vraiment une quiche et voilà, je ne pense pas faire des tutoriels nail art. Et puis sinon, bah non, je ne regrette absolument rien du tout. Pour moi, il n'y a vraiment aucun âge pour arriver sur YouTube. Et puis voilà, tout simplement. Coucou Louise, mais est-ce que tu pourrais faire une routine du matin et du soir après les cours ou le week-end? Un bisou. Ah, vous voyez plein de photos avec. Oui, Louise, donc est-ce que tu pourrais faire une dédicace au passé, s'il te plaît? Bah voilà, gros bisous. Adorable. Pour ce qui est des vidéos, des routines du soir, j'en ai déjà fait une pour après les cours, mais si tu veux, je peux m'organiser pour te faire une routine du soir édition winter, tout simplement. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, c'est pour ça. Mais si tu veux une routine du soir pendant l'hiver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau des lookbooks, bien évidemment, parce que si t'as vu ma vidéo résolution, j'ai dit que je ferais plus de vidéos en rapport avec le lifestyle, la mode, la beauté, etc. Donc oui, bien évidemment, les lookbooks sont prévus. Elle m'a dit tellement de choses, je me rappelle plus. Est-ce que t'as déjà failli arrêter tes vidéos sur YouTube? Si oui, pourquoi? Aussi, quand t'as commencé tes vidéos sur YouTube, est-ce que t'as eu beaucoup d'abonnés d'un coup, petit à petit? Merci ma belle. Oula, j'ai eu un bug. Est-ce que j'ai déjà failli arrêter les vidéos à cause de quelqu'un? Absolument pas. Comment te dire que les gens, je m'en fous royalement. Ceux qui n'aiment pas mes vidéos n'aiment pas. Et clairement, je m'en fous. Moi, je me soucie plutôt des personnes comme toi qui adorent mes vidéos, qui regardent, qui me font des compliments et que j'aime tout autant que vous m'aimez. Voilà, donc comment te dire que je m'en fous de ceux qui n'aiment pas mes vidéos. Et mes abonnés, je les ai eus petit à petit. Disons que sur tout le début de ma chaîne YouTube, ça n'a pratiquement pas évolué parce que j'ai jamais mis de vidéos régulièrement en fait. Et à partir de 2014, j'ai commencé à mettre plein de vidéos et très régulièrement, ce qui fait que je suis passée de 2000 à 8000 abonnés d'un coup. Non. Mais pourquoi il ne veut pas me montrer ses snaps?
Ok, donc Laurine, 42 000. Donc tu comptes faire un home tour ou un rangement make-up. S'il a changé, t'auras un make-up. Sinon, reste comme tu es, t'es trop belle et je t'adore. Bisous. Merci ma belle. Rangement make-up, je sais pas, faut voir parce que j'ai des nouveaux rangements make-up et puis des nouveaux produits, donc ça pourrait être sympa. Je verrai à la suite. Dans ta chaîne, je voulais savoir si un jour tu feras un meet-up. Voilà, je t'aime trop. Et juste, pourquoi ta voix est décalée? Alors, dans mes vidéos, je ne sais absolument pas pourquoi ma voix est décalée. En fait, quand je le regarde sur un ordinateur, c'est décalé. Et quand je regarde la vidéo sur mon téléphone, elle n'est pas décalée. Du coup, voilà, c'est... je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, on continue tes vidéos, je t'adore, t'es trop belle. Et je vais toujours faire un tour de ta chambre. Voilà, bisous, je t'adore. Elle est trop adorable. Donc comme je viens de l'expliquer, je ferai pas un room tour dans ma chambre comme l'année dernière puisque vous l'avez déjà vu, voilà. Je ne change pas ma chambre tous les ans. Par contre, je vais vous faire un room tour de cette petite pièce puisque vous l'avez jamais vue. J'ai un classeur comme ceci avec plein de fiches Bristol. Bon, là c'est de l'espagnol. Et en fait, à côté, j'ai fiches Bristol personnelles. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, j'ai fait des fiches révision pour le brevet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une première fiche Bristol. J'ai mis programme 3e en histoire-géographie. Donc, j'ai mis chapitre étudié, le petit 1 avec tous les chapitres de géographie, 2 avec tous les chapitres d'histoire. Et puis voilà, ça me fait un sommaire. Et en fait, ce que je fais après, c'est que tous les chapitres que j'ai étudiés, je fais des mini-résumés dessus, voilà, tout simplement. Donc c'est plus ou moins long en fait. Et puis, comme ça, j'ai juste à apprendre ces petites fiches au moment des révisions. Voilà tout le monde, ma vidéo Ask Snapchat est terminée. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si j'ai oublié vos questions ou... pas répondu du tout simplement, n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire, j'y répondrai en tant que commentaire tout simplement. J'ai pas répondu à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui m'ont envoyé des snaps. Vous étiez une cinquantaine je crois à m'envoyer des snaps et c'était pas possible de tout lire dans une vidéo quoi. Et moi je vous fais plein de gros bisous, jusqu'à ma prochaine vidéo, ciao.